Hold his picture, hold his picture, he's our father. Depuis sa première en avril 2015, c'était au festival Vision du Réel en Suisse, où il a gagné le prix du meilleur film. Homeland a fait le tour du monde, il sort en France mercredi prochain. Et nous sommes plus que ravis, émus, d'accueillir aujourd'hui son auteur, Abbas Fadel. Moi, j'ai échappé à la guerre Irak-Iran, à la première guerre de Golfe. J'ai des amis qui sont morts dans l'une ou l'autre des deux guerres. Et je culpabilisais. Donc cette fois, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas pour être avec les miens. Et aussi, comme en tant qu'Irakien, en tant que cinéaste, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je pouvais, c'est de documenter ce moment. Alors le film est contaminé par ce bonheur d'être avec les miens, malgré les difficultés. On sent il y a beaucoup de bons moments de bonheur, mais qui émanent de ces moments de vie quotidienne. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la meilleure façon de montrer l'Irak, parce que l'Irak, on ne voyait rien de la vie quotidienne de l'Irak. On ne voyait pas le visage des Irakiens. L'Irak s'était réduit à la figure de Saddam. Mais vous êtes en colère aujourd'hui, Abbas Fadel, quand vous voyez ce film à la lumière de ce qui se passe 10 ans plus tard? Oui, mais c'est au-delà de la colère. Enfin, la colère, c'est pas... Enfin, moi, on ne peut pas revenir en arrière. Mais je suis en colère, par exemple, quand je vois l'Américain Sniper, qui montre les Irakiens comme des sauvages, comme des... Voilà, c'est comme on montrait les Indiens dans les anciens westerns. Ouais.